Gwyneth Paltrow n'aurait jamais pensé que la célébrité aurait un prix si élevé. Fame is actually not very good for us as people. Après avoir commencé sa carrière d'actrice avec seulement 19 ans, l'actrice a réalisé en chemin les différentes facilités que la vie lui offrait juste pour être quelqu'un de connu. Everybody starts removing all of your obstacles and I think friction is actually what makes you grow. Ne pas faire face à ses propres problèmes a généré chez Gwyneth Paltrow une personnalité extrêmement hautaine et arrogante. All of a sudden I was this pretty young woman and everybody was removing my obstacles and I got to stop waiting online, etc., whatever the case was. Les avantages répétés ont commencé à générer de grands changements chez l'actrice. And I think incrementally, I started just behaving a little strangely or a little weird. Son attitude a entraîné la haine de beaucoup, au point qu'en 2013, elle a été considérée par Star Magazine comme l'une des célébrités les plus détestées de la planète. You were voted one magazine's most hated celebrity, while at the very same time, you were People Magazine's most beautiful woman in the world. Yeah. First of all, I was like, I'm the most hated celebrity, like more than like Chris Brown. Like, what did I do? Malgré les sondages négatifs, Gwyneth ne comprenait pas l'importance de la situation. Donc, son cher père, Bruce Paltrow, a senti qu'il était de son devoir d'intervenir. And my father, he sat me down one day and he said in his inimitable Brooklyn way, you're kind of turning into an asshole. Ces mots durs, mais justes, ont aidé la protagoniste de Shakespeare in Love à prendre conscience du risque réel de la renommée et de ses facilités constantes. It ended up being this incredibly important moment in my life where they really burst a bubble for me, where I could see, oh, this is actually really dangerous. Y ella es muy honesta al respecto, sí me cambió, la gente te empieza a poner más atención, te empiezan a facilitar situaciones y creo que es muy importante cuando tu círculo se compone completamente de esa gente que se esfuerza en complacerte, en ayudarte, quizá en obtener ciertas cosas de ti, pues te hace ciego de la realidad que en realidad estás enfrentando. El hecho de que alguien tan cercano y con una buena relación como tenía ella con su papá le dijera estás cambiando y estás cambiando para mal, pues le funcionó para hacerle entrar en razón del daño que podía generarle. Dès lors, l'actrice acclamée a commencé un chemin de retour pour retrouver son authenticité. All I can do is be my authentic self and, you know, if you know me, then you know who I am and that I have fun and eat and I am so appreciative for my life. But I think that there are things about me that make people draw conclusions. De cette façon, Bruce, le père de Gwyneth, a marqué un avant et un après dans la vie de sa fille, lui rappelant l'importance d'être fidèle à ses valeurs et toujours rester modeste, peu importe la célébrité que l'on a. Malheureusement, le père de l'actrice a été diagnostiqué d'un cancer en 1997. Et deux ans plus tard, Gwyneth lui a rendu un hommage particulier après avoir été primée pendant les Oscars. Là, elle a profité de l'occasion pour remercier chacun des membres de sa famille pour l'avoir accompagnée pendant ce long chemin. And especially to my father, Bruce Paltrow, who has surmounted insurmountable obstacles this year. I love you more than anything in the world. And... Malheureusement, en 2002, Bruce a finalement perdu la dure bataille qu'il menait contre le cancer, ce qui a conduit Gwyneth dans une profonde dépression. I lost my father in 2002 and I'm all too aware of the impact this disease has on a family. But whether we lose a loved one in the US or UK, we all lose until we do something to change it. C'est ainsi que la célèbre artiste a commencé un nouveau et grand projet dans sa vie. Cette fois-ci, elle s'est concentrée sur l'aide à toutes ces personnes qui combattent le cancer, ce qui a fait d'elle une référence pour ces milliers de personnes qui doivent faire face au quotidien à cette maladie silencieuse. Cancer has taken some of the best among us, and it is time for us all to stand up and fight back. I am so proud to be standing up to cancer for my dad.
Malgré les difficultés que la vie a mises sur son chemin, Gwyneth Paltrow a réussi à faire face aux intempéries pour tirer le meilleur parti de chacune de ses expériences et se réinventer pour devenir une meilleure version d'elle-même.